Clairement, je le déclare ici et maintenant, le YouTube Manga Game, je vais le niquer en deux. Vous allez voir ce que c'est réellement un top en rapport avec les animés. Bon visionnage à toi, et j'espère que tu vas taper des bonnes barres. Ah, le 1er avril, journée où le troll est accepté, journée où la blague est autorisée, et aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de respecter. C'est pour ça que moi, Alka, du matin d'animation, je vais vous présenter aujourd'hui mon top 10 des parodies d'animés faites par les Indonésiens. C'est avec plaisir que je vous partage ce top, et donc, je compte sur toi pour que tu lâches un gros pouce bleu, un petit commentaire, un petit tour sur le YouTube, pourquoi pas, et peut-être aller me voir sur Discord. Allez, on démarre ça ensemble, et tu vas voir, tu vas kiffer ta race et de sacrées pépites. Ah, et pourquoi que les Indonésiens, parce que c'est un peu les champions du milieu. On démarre avec un opening mais de qualité magistrale, prise de risque sous l'eau, écoutez-moi ça et regardez-moi ça, c'est un pur plaisir pour les yeux. En 9ème place, on retrouve Transsexualisation, un opening avec un montage de qualité. Franchement, ça m'a tué de rire de voir ça. Je pense que vous allez kiffer, vu le gros nombre de personnes qui kiffent l'opening de Domestic Nakanojo. Franchement, cet opening il est juste dingue. Et cette version, des doutes en plus. Allez, regarde-moi ça, poteau, tu m'en diras des nouvelles. Celui-ci, il a une mise en scène juste monstrueuse. Franchement, ça m'a tué encore une fois de rire. Donc voilà, il a le mérite d'être 7ème. Ah, celui-là, je pense que t'es déjà tombé dessus au moins une fois, vu le nombre de vues qu'il a récupéré. On parle ici de la parodie indonésienne de l'Osama Club de Naruto Shippuden Opening 16. Alors là, Osama Club nous vend encore du rêve, du bonheur. Et franchement, celui-ci est juste titanesque. C'est bien l'opening de 2 SNK qui est parodié par notre très cher club. Ah, celui-ci, c'est un classique. On a un Izuku moustachu. Non, franchement, celui-là, il est juste dingue. Mais enfin, je pense qu'il y en a des bien meilleurs et vous allez voir ça avec le numéro 1. Bon, celui-là, elle est tellement haut dans le classement. C'est encore du Osama Club tout croché, mais bon, ils sont à un point où ils ont plus peur de se ridiculiser. C'est limite leur marque de fabrique de faire ce genre de vidéo. Non, franchement, là, c'est juste incroyable. Bon, tu l'as compris, c'est un peu les maîtres du genre. Osama Club qui nous fournit un opening juste magistral pour la parodie de Noragami. Bon, cet opening, il est clairement indétrônable. Tout le top d'avant n'avait pas vraiment sens, mais lui, il est clairement à un autre niveau. Il est d'un, mais vraiment un niveau supérieur. Qui dira mieux? Je ne sais pas. Celui-là, il m'a fait taper des énormes barres. Et après cet opening, on finira donc cette vidéo qui n'avait aucun sens. Bon voilà, j'espère que cette vidéo un peu what the fuck pour le 1er avril t'aura fait plaisir. Ça fait déjà un an que je voulais la faire parce que au 1er avril de l'année dernière j'avais déjà eu envie de le faire mais je n'avais pas eu le temps. Et je me suis dit cette année je le fais, c'est sûr. Même s'il n'y avait pas beaucoup de vues, moi je me serais tapé une grosse barre. Et c'est ce qui compte. Dédicace à Tetsuyo avec qui j'avais découvert ce genre de vidéo juste what the fuck. Voilà, c'était un peu
spécialement pour lui que j'ai fait cette vidéo. Je sais pas si je la laisserai longtemps, si ça bite carrément, je la laisserai pas, mais voilà, si ça fait rigoler certaines personnes, je laisserai. Mais en tout cas, j'ai bien rigolé, et puis c'était un pur plaisir. Merci d'avoir regardé ça, je te souhaite une excellente semaine et une excellente journée, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube.